tôt le matin, avant même que les premiers curistes ne quittent leur hôtel, Vichy l'Impérial invite à un voyage dans le temps. On raconte que Napoléon III donnait rendez-vous à sa maîtresse dans ses bâtiments luxueux. Plus tard, Coco Chanel travailla dans les thermes pour payer son loyer. Elle remplissait les verres des curistes. Claude Monet aussi vint à Vichy, mais pour prendre les eaux. Son passé impérial, ses vedettes de l'entre-deux-guerres, Vichy peut s'enorgueillir d'un lointain passé glorieux. Aujourd'hui, même s'il est vrai que les fastes d'antan sont bien loin, la ville d'eau conserve ses adeptes. Alla Picoche est ukrainienne. Il y a 10 ans, elle est venue pour 6 mois dans le cadre d'un échange universitaire. Charmée par la ville, elle n'est plus jamais repartie. Aujourd'hui, elle travaille comme guide touristique. Imaginez, on va se retrouver vite fait, juste avant l'avenue de Napoléon III, on est en 1844. Donc, quand vous venez à Vichy à cette époque-là, sûrement vous êtes marquis, baronesse, voilà, princesse, je ne sais pas. Boire de l'eau toutes les journées, croyez-moi, ce n'est pas toujours évident. Donc, on a inauguré sans lui, mais il revient. C'est très, très, très important à Vichy pour moi. Quand je suis en France, longtemps, j'étais un petit peu perdue parce que je suis très, très liée à mon pays. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis ici? Voilà. Et par la suite, quand j'ai découvert Vichy, là, j'ai vraiment tombé amoureuse. Ce qui me vraiment fascine, moi qui viens d'une grande ville, ce sont des parcs. Les parcs, les pieds de promenade, beaucoup d'espaces libres. On ne se sent pas serré ici. La verdure partout, même en automne, en hiver, en printemps, les couleurs sont différentes, sont très très fortes. Voilà, surtout ces côtés pittoresques bien. Et après, Vichy ou également les sources, parce que c'est ici que j'ai découvert qu'on peut se soigner avec de l'eau. Et ça, c'est magique. À Vichy, Alla découvre que toutes les eaux ne se valent pas. L'eau de la source Célestin, par exemple, qui est commercialisée en bouteille dans le monde entier, est légèrement salée et favorise la digestion. La renommée de la ville tient aux vertus curatives de ses différentes sources. Troubles du foie, douleurs aux articulations, problèmes de peau. Les cures sont variées et se font sur prescription médicale. Pendant des siècles, nul ne savait pourquoi ces eaux étaient si spéciales. Il a fallu attendre le XXe siècle et les progrès de la science pour connaître leur composition exacte, le taux de sel, la proportion en sels minéraux. Les sources proviennent de l'eau de pluie qui ruisselle le long des volcans du massif central avant de former des torrents souterrains. En circulant dans la roche, l'eau emmagasine jusqu'à 5 g de sels minéraux par litre avant d'arriver à Vichy. Pour certains troubles, on entend souvent que les eaux de Vichy sont aussi efficaces que des médicaments. Eh bien, j'ai commencé cette cure à Vichy parce que j'avais des problèmes d'arthrose cervicale notamment. Et un peu dans les mains. La première fois où je m'en suis rendu compte, c'est une forme de raideur dans les doigts. Bah, pour le tir à l'arc, par exemple, pour mettre en œuvre l'arc, puisque ça demande un effort au niveau de la prise de la corde, notamment. Au moment de plier les doigts, on sent une résistance et une douleur.
Gilbert Biot commence par prendre des médicaments. Mais le fait de devoir suivre sa vie durant un traitement l'inquiète. Quand j'ai eu un entretien avec mon médecin au sujet du traitement qu'il m'avait prescrit précédemment, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une autre solution et j'avais pensé, moi, à une cure. Oui, et il m'a dit qu'effectivement, ça pouvait, on pouvait essayer de voir ce que ça donnait. Gilbert va d'abord faire une cure de 3 semaines pendant lesquelles il cesse de prendre ses médicaments. De nos jours, une cure est une expérience plutôt solitaire. Mais il y a encore un siècle, c'était un événement social majeur. Seuls les gens de la haute société faisaient, et même se devaient de faire, une cure à Vichy. Face à la demande des curistes fortunés, les magasins de souvenirs ont commencé à fleurir dans la ville. Michel Laval est un passionné. Depuis 30 ans, il collectionne tout ce qui a trait à Vichy. Une façon pour lui de reconstituer l'histoire de la petite ville thermale. Je cherche la vérité. Voilà, je cherche la vérité historique, exactement comment ça s'est passé, comment c'était. Puis en allant sur les brocantes, je voyais qu'il y avait des boîtes intéressantes, qu'on ne voyait pas souvent, les verres de cure, principalement, qui sortent un peu d'ordinaire, bien sûr. Ça présentait des monuments disparus, aux gens de 1900. Deux couleurs, c'est joli. Celui-ci est pas mal, il est émaillé. Très joli. Bien marqué ici. Voilà, en bon état. Au début, j'ai dit, si je ramasse tout, je vais peut-être en avoir pas mal. J'ai dit, je ne veux quand même pas que je passe pour un fou. Et puis j'ai dit, bon, ben, ça fait rien, je fais ce que j'ai envie. Alors, dès que j'ai acheté tout ça, tous ces souvenirs anciens. Ah, celui-là est magnifique. Ouais, ouais, qui est ancien, regarde. Ah oui, il est beau celui-là. Il est beau, hein. La couleur rouge. 19e, je pense. Vichy un peu effacé, mais bon. Mais il a servi. Vous coupez ceux-là, c'est des verres coupés. Ouais. Ben j'ai continué parce que ça m'a intéressé, quoi. Puis que j'ai vu que personne ne faisait ça. Ça intéressait personne. Et moi, dans mon cœur, je disais, c'est dommage, ça pourrait peut-être intéresser des gens qui viendraient à Vichy pour un futur musée. Comme il n'y en a pas de musée, je participe un peu à ma manière à essayer d'en créer un. Au fil du temps, la maison de Michel est effectivement devenue un véritable musée de plus en plus connu. Aujourd'hui, il possède plus de 3000 objets, dont certains de grande valeur. Mais qu'importe. Pour le collectionneur, chaque objet est un témoin de l'âge d'or de la ville, quand Vichy était un lieu mondain au tournant du siècle dernier. À l'époque, les verres dans lesquels les curistes buvaient l'eau étaient bien plus que de simples gobelets. Ils étaient strictement personnels et choisis avec soin comme un accessoire de mode. Les très nombreuses boîtes de bonbons montrent également que la cure n'était pas forcément synonyme de régime. Les pastilles de Vichy étaient la spécialité de la ville, des bonbons à base de sel dissous dans l'eau de Vichy que l'on trouve aujourd'hui encore dans le commerce. L'eau de Vichy entrait aussi dans la composition de dentifrice et de sel de bain. Mais le plus révolutionnaire fut son utilisation cosmétique. Les laboratoires de Vichy furent les premiers à vendre des crèmes pour le visage pour différents types de peau. Au début du XXe siècle, la petite station thermale comptait jusqu'à 260 hôtels. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 30. Parmi les plus belles pièces de Michel Laval, cet album photo datant de 1902.
Le photographe a immortalisé un moment très important dans l'histoire de la ville, la construction des thermes des dômes. Pour répondre à la concurrence des villes thermales allemandes, Vichy se dota à cette époque d'un gigantesque complexe coiffé de coupoles de style mauresque. Mais le plus étonnant, ce fut l'absence de grands bassins. Une fois passée l'entrée imposante, les longs couloirs distribuaient des cabines individuelles, 136 au total. Depuis, ces espaces privatifs ont été démolis, à l'exception de quelques cabines qui donnent une idée du faste de l'époque. Les thermes des dômes accueillent toujours des curistes. Dans une ambiance plus moderne et plus épurée. Pour Gilbert Biot, c'est d'ailleurs l'heure du bain. Au programme de sa cure de 3 semaines, un bain chaud d'eau thermale chaque jour. Un remède simple mais efficace contre l'arthrose. Plus élaboré, le prochain soin est un des grands classiques de Vichy. Pour ce traitement, on utilise les sources chaudes qui se trouvent dans la forêt. Les concrétions calcaires autour de ces sources sont colonisées par une matière onctueuse d'un bleu vert profond. Ce sont des algues qui sont cultivées sur un lit d'argile. L'argile et les algues sont finement malaxées pour constituer une boue. Celle-ci réunit les propriétés thérapeutiques des minéraux contenus dans l'eau et des composés organiques fournis par les algues. Efficace contre les douleurs rhumatismales et articulaires, elle améliore aussi le flux sanguin. Chauffée à 41 degrés, la boue est étalée en une couche épaisse sur un drap. Le patient s'y allonge ensuite pendant une vingtaine de minutes. Les draps et couvertures permettent de conserver la chaleur de la boue. Pour Gilbert, c'est le meilleur moment de la cure. Regardez comme ça. Très bien. Bien. Eh bien, je vous laisse vous reposer et je vais revenir d'ici une vingtaine de minutes. Merci. Eh bien, après la première cure, effectivement, j'ai senti un mieux. Bon, c'est venu avec le temps, ça n'a pas été, du souvenir que j'en ai, ça n'a pas été franchement immédiat, mais dans le temps, j'ai senti ce mieux. Actuellement, je ne prends plus aucun médicament pour traiter l'arthrose. Les cures me suffisent. Les Romains déjà connaissaient les vertus curatives des eaux de Vichy. Et si les premiers bains ont été construits dès le Moyen Âge, il a fallu attendre le 19e siècle pour que des thermes dignes de ce nom soient bâtis. Alla Picoche se documente aux archives de la ville pour préparer ses visites. Florent Pierre de 1865. Pierre, merci beaucoup.
la comparaison des deux cartes montre l'essor rapide de la ville. En 1856, Vichy ne comptait que quelques maisons. 9 ans plus tard, le site était devenu une vraie petite ville. Entre-temps, Napoléon III avait fait de Vichy son lieu de résidence d'été. L'empereur fit bâtir une église et aménager des grands boulevards. Ainsi qu'une gare pour venir directement de Paris. Rapidement, 6 chalets furent érigés dans le parc où Napoléon III et sa suite impériale passèrent 4 étés de 1861 à 1866. La présence de l'empereur agit comme un aimant sur toute la haute société de l'époque. En peu de temps, des villas et des hôtels somptueux furent construits pour accueillir les curistes chics. En 1865, Napoléon III fit bâtir un établissement thermal de grand luxe, avec salle de bal et de concert, salon de thé et même un casino. Un temple du divertissement avant tout destiné à concurrencer les hauts lieux du thermalisme de l'époque, Carlsbad, l'actuel Carlo Vivari et Baden-Baden. Les efforts de l'empereur furent récompensés. Toute la haute société européenne afflua vers Vichy. Vichy influença même la mode. L'impératrice Eugénie y lança celle du noir, rapidement imitée par toutes les femmes de la cour. Les gens de la bonne société attachaient une grande importance à leur tenue vestimentaire. Ces parures fascinent Paul Billard depuis toujours. Compositeur et chanteur, son amour de l'opéra a peut-être bien été influencé par les magnifiques tenues empire dont il a hérité enfant. Il détient aussi de nombreux numéros d'une célèbre revue de l'époque qui décrivait quelle tenue porter dans quelles circonstances. Oui, j'ai trouvé quelque chose. Grâce à cette documentation, Paul Billard peut reconstituer avec précision les tenues arborées par les curistes de l'époque. Ah, faudra reprendre là. Ça. C'est bien. C'est pas mal. Très bien. Eh bien, imaginez que vous êtes au 19e siècle, du temps du Second Empire, et que vous croisiez un couple se promenant dans les parcs à Vichy. Eh bien, ces promeneurs, l'homme était souvent simple, la femme plus élégante, plus richement habillée. Alors, si je commence par les messieurs, cette redingote est une redingote typique de ce que vous pouviez trouver, ainsi que le chapeau haut de forme. Et parfois, il y avait donc des manchettes qui étaient cousues directement sur la manche. Et dans ces cas-là, il n'y avait pas obligatoirement de manche de chemise, pour que les personnes n'aient pas trop chaud. Les dames, eh bien, en général, il y a bien sûr une jupe, ton sur ton avec le bustier et une coiffe quand on est dehors, avec bien sûr les bijoux qui correspondent à la tenue elle-même et les manchettes. Alors, vous pensiez que c'est une tenue de bal? Non, pas du tout. Elle a l'air compliquée, oui,
aujourd'hui, ce serait bien suffisant pour être une tenue de bal, même déjà très chic. Mais à l'époque, eh bien, c'était une tenue de tous les jours. Et dessous, la dernière partie se lavait. La dernière partie, celle-ci. Mais ça n'est pas la même chose que la jupe qui est dessus, qui ne se lavait pas. Voilà. Alors, bonne promenade à Vichy. Les curistes les plus chics se changeaient jusqu'à 5 fois par jour. Il fallait à tout prix se faire remarquer. Cent cinquante ans plus tard, c'est tout le contraire. La ville accueille toujours des célébrités, mais elle cultive la discrétion. La tranquillité, c'est aussi ce que recherche l'équipe nationale russe de natation synchronisée. Les nageuses sont là pour se reposer et reprendre des forces. Nous sommes venus à Vichy pour profiter de son spa et de ses sources thermales, pour se remettre après les gros efforts fournis au championnat du monde. J'adore les matins à Vichy. Tous les jours, on court dans le parc et chaque fois, je me réjouis de l'air frais, de la tranquillité des lieux. Le mode de vie est très sain ici. J'adore. Après la gymnastique matinale, direction le spa. Aujourd'hui, j'ai eu un modelage ayurvédique. J'ai bien aimé, mais mon soin préféré, c'est la douche Vichy. Tout simplement super. Muriel Estève est responsable de la balnéothérapie au spa des Célestins. Pour elle, rien ne vaut la fameuse douche Vichy. C'est un massage à l'huile de tout le corps qui s'effectue sous une pluie d'eau thermale. L'eau est mon élément et j'ai toujours eu besoin d'eau petite, plus grande et même maintenant. Et en plus, la nôtre, l'eau thermale de Vichy, va apporter beaucoup de bienfaits au niveau de la peau, rendre un effet de peau douce et elle est très agréable à recevoir. Dans les 3 établissements thermaux de la ville, ce massage est le soin phare. Muriel passe beaucoup de temps à l'enseigner. Mélanie débute sa formation. Il est important de savoir, quand vous commencez un massage, de toujours avoir à l'esprit et dans vos mains que c'est un soin de détente. Donc on va préparer l'huile dans ce petit bol, voilà, afin de pouvoir la disposer sur le corps de la cliente. La prise de contact consiste à étaler l'huile en même temps. Muriel enseigne les bons gestes à ses élèves. Mais le plus important pour elle, c'est de transmettre l'amour de son métier. Du fait que vous allez mettre de la pression avec le mouvement de votre corps aussi. Ça va pour vous ? Ça va. Je pense qu'il faut être motivé pour avoir envie d'aimer les gens d'abord. Et oui, il faut aimer s'occuper de la personne par le toucher. Parce qu'effectivement, vous pouvez apaiser quelqu'un par la parole aussi, mais le massage avec nos huiles, l'eau en plus, apaise divinement plus. Et après, ce sont les outils.
les outils, c'est les mains, et elles sont vraiment des actrices. Donc c'est magique. Pression et hop, on éclate sur les fessiers, on tire. Les mains, pas les bouts des doigts, la paume descend. Pendant que les curistes font la sieste, les habitants de Vichy s'approprient les parcs. Le calme de la ville attire de nombreux artistes, des musiciens, des acteurs. Jacques de Corret est un chef étoilé. Il a préféré s'installer à Vichy plutôt que dans une grande ville. C'est vrai que la facilité pour moi, ça aurait été de prendre une grande ville. La facilité pour nous, Français, c'est Paris. L'avantage, c'est que les clients sont là tous les jours. Mais on a fait le pour et le contre par rapport à la famille, par rapport à nos enfants. Et pour moi, j'ai absolument besoin de cette sérénité. J'ai besoin de ce calme, de cette concentration pour pouvoir réaliser ce que j'ai à réaliser. Jacques de Corret a la réputation d'être un original. Pourtant, ses idées de base sont très simples. Alors, je pars toujours sur des choses qui nous entourent, que l'on mange à la maison, que l'on mange dans la rue. Et je pars toujours sur des choses comme ça pour arriver à un point essentiel qui va être le fil conducteur de mon plat que je veux réaliser. Alors, soit sur un produit, une idée, un souvenir. Chez Jacques de Corret, les souvenirs d'enfance jouent un grand rôle. Certains de ses plats ont un goût de pop-corn. Il aime aussi cuisiner le bleu de son pays, les figues fraîches ou encore les sardines grillées. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est l'étonnante légèreté de ses plats. Jacques de Corret est aujourd'hui un des chefs les plus créatifs de sa génération. Pour lui, les clients sont prêts à faire des kilomètres. Certains viennent de Paris, Londres ou Berlin. Ils apprécient aussi l'ambiance familiale de ce restaurant qui joue pourtant dans la cour des grands. Il est presque midi. Avant l'arrivée des premiers clients, Jacques de Corret vérifie que tout est prêt. De son côté, Alla Picoche se prépare pour la visite qu'elle préfère. Il faut dire qu'elle se déroule dans un des plus beaux bâtiments de la ville. J'ai découvert l'opéra par hasard. Je faisais une partie d'une troupe de danse. On a fait le spectacle ici. Et en passant derrière de coulisses, quand je suis rentrée dans la salle, voilà, c'était éblouissant. C'était différent. Les lumières sont allumées. Et j'ai vu toute cette beauté de rue qui nous entoure. Je me suis dit, c'est un lieu magique. Il y a un siècle, nul autre endroit au monde n'a vu autant de personnages connus défiler dans ses murs. Aujourd'hui encore, l'Opéra de Vichy est le deuxième plus grand opéra de France après l'Opéra Garnier.
de style Art Nouveau, c'est un bâtiment tout à fait exceptionnel. Voilà, j'ai fait comme ça. Et c'était vraiment épatant de voir toutes ces couleurs. Je me demandais, mais pourquoi toutes ces couleurs? Pourquoi toutes ces dorures? Pourquoi c'est pas rouge comme d'habitude? On a cherché longtemps, mais comme souvent, tout ce qui est génial, c'est très très simple. On a découvert que tout simplement, les couleurs or et ivoire que nous avons ici faisaient ressortir mieux la brillance des bijoux des femmes de l'époque. Parce qu'à l'époque, on venait à l'opéra, il fallait se mettre en avant, mettre tous les bijoux, les dorures sur nous-mêmes. Voilà, tout simplement. En fait, un jour, on avait une idée de faire une nouvelle visite opéra, mais montrer les coulisses. Donc, pour préparer ma visite, j'ai eu la permission de rentrer, de fouiller dans des loges, sous les combles, sous la scène. Quand elles sont vides, c'est vraiment une impression, si on a un petit peu d'imagination, on peut presque entendre ces acteurs, comédiens d'avant, voilà, qui bougent, qui passent. Parce que moi, je suis une orthodoxe. Dans mon religion, on croit aux fantômes et des choses comme ça. Donc oui, ça m'arrive d'imaginer qu'on est entouré. Dans les étages, rien n'a changé depuis un demi-siècle. Plus personne ne s'aventure dans cette loge où le grand pianiste Arthur Rubinstein se reposait. Ces loges ont aussi vu défiler les musiciens de la Scala de Milan ou les danseurs du ballet russe qui venaient y mettre leurs somptueux costumes. Pendant longtemps, peu de gens savaient que l'opéra avait un passé si prestigieux. Tout a changé il y a une vingtaine d'années grâce à la pianiste Josette Alvizet. Un jour, sous les toits de l'ancien casino, elle retrouva un véritable trésor. Des costumes, des photos, des documents, retraçant 80 ans de la vie culturelle de Vichy. Le moment le plus étonnant de la vie de Vichy, de ce point de vue-là, c'est-à-dire du point de vue artistique, alors que Vichy est considérée comme la capitale des états de la musique, comme la reine des villes d'eau, c'est vraiment entre les deux guerres, c'est-à-dire entre 19 et 39. Josette Alvizet découvrit des photos de stars comme Édith Piaf, de chanteurs d'opéra, de danseurs, de grands solistes comme le violoniste Yehudi Menuhin. Les objets découverts étaient si nombreux qu'ils permirent de créer un musée. On y retrouve d'autres hôtes célèbres de la ville, la grande ballerine Anna Pavlova ou encore Maurice Chevalier. L'opéra accueillit aussi le compositeur Richard Strauss, qui en 1935 y dirigea son opéra Salomé, point d'orgue d'une journée tout en musique. Le premier concert est parfois à 8 heures du matin, lorsque les premiers curistes vont faire leurs soins.
Il y a ensuite des concerts en début, au milieu de l'après-midi. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'y arrive même plus à imaginer. Et des concerts aussi le soir. On pourrait presque imaginer que la ville était sonorisée. On ne pouvait guère se promener dans la ville sans avoir de la musique. La fête prit fin en 1939. Après l'occupation de la zone nord de la France par l'Allemagne nazie, le gouvernement s'établit à Vichy en zone libre. Le maréchal Pétain mit fin à la République et instaura un État nationaliste et autoritaire dominé par le régime allemand de l'époque. C'est justement dans l'opéra de Vichy que l'Assemblée nationale vota à une grande majorité les pleins pouvoirs à Philippe Pétain le 10 juillet 1940. Une page sombre de l'histoire de France. Pour la ville de Vichy, l'héritage est lourd à porter. La ville d'eau si prisée n'a plus jamais retrouvé le faste d'antan. C'est la mutation de Vichy. En fait, tout cette mousse, ces plumes, ces paillettes déclinent. Et Vichy a eu un passage un petit peu difficile dans la fréquentation. Ça n'est plus le Vichy d'avant, il n'a pas trouvé encore ses marques contemporaines. Alors c'est certain que Vichy est un endroit vivant, certes, mais calme. Et je pense aussi que ça fait partie de ce que nos contemporains peuvent avoir à trouver à Vichy. La ville accueille 30 000 visiteurs par an. Jadis, ils étaient 150 000. Aujourd'hui, il y a plus de sportifs que d'artistes, surtout depuis que la municipalité a investi massivement dans des complexes sportifs. Les nageuses de l'école russe de natation synchronisée ont prévu de revenir l'année prochaine. Vichy leur offre les conditions idéales pour se préparer pour une année cruciale. Le but, ce sont les Jeux Olympiques. Cette année, toute l'équipe va travailler dur pour être au top. Nous sommes venus ici pour nous reposer et bien commencer la saison sportive. Les nageuses passent leur dernier jour à Vichy. Daria veut s'offrir une dernière douche Vichy. Et c'est Muriel et Steve en personne qui assurent le soin. Chaque personne est différente, avec une morphologie différente, des besoins différents. Et puis dès qu'on commence, après, on voit si la personne sous nos mains se détend ou se détend pas, on va dire, parce qu'effectivement, le contact du toucher, ils n'ont peut-être pas l'habitude. Donc après, il faut les guider. Voilà, les mettre dans une petite condition d'apaisement. Et ça passe effectivement par le fait d'être acteurs nous-mêmes, pour, même s'ils sont sur le ventre, qu'ils ne nous voient pas, sous nos mains. Et le fait d'écouter certaines choses, des grandes inspirations, font qu'effectivement, ça va les aider. Voilà,
Et quand ils se lèvent de la table, ils sont apaisés. Chez moi, je vais certainement dire à tout le monde que c'est une ville merveilleuse. Je vais raconter à quel point ça m'a plu. Le spa est magique, la ville est verdoyante, elle respire la santé et l'énergie. Ici, je me suis vraiment reposée. L'heure du dîner approche. Dans les cuisines du restaurant de Jacques de Corret, c'est le coup de feu. L'équipe est rassemblée autour du chef, qui semble complètement absorbé par son travail. J'adore, oui, tout ce qui est art. J'aime tout ce que l'homme, par rapport à sa pensée, transforme, avec ses mains, va transformer, que ce soit du bois, du verre, du fer, de la matière alimentaire. Je trouve ça formidable. Et souvent, on me dit, oui, vous faites des assiettes, on dirait des toiles, on dirait... Mais ce que je veux en premier, c'est que les gens qui viennent manger chez nous aient une expérience et un souvenir qu'ils ne pourraient pas avoir peut-être dans un autre restaurant, parce que je veux amener les gens dans mon univers. La nuit tombe sur Vichy, dans le calme, sans concert, sans strass ni paillettes. La reine des villes d'eau n'a rien oublié de son passé fastueux. Mais elle se cherche aujourd'hui un nouvel élan.